Salut à tous et bienvenue sur ce cinquième épisode sur Pokémon version émeraude avec le défi Nuzlocke et Roadrunner Challenge, toujours accompagné de mon accent dégueulasse. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui pour ce cinquième épisode au programme, nous avons la quatrième arène à bas qui est celle de type feu. Et la cinquième arène aussi aujourd'hui qui est celle de notre père qui nous a lâchement abandonné comme tous les pères de famille sur chaque Pokémon. Enfin bref, merci pour les retours du dernier épisode, ça m'a fait super plaisir. Du coup, on avait battu Max et récupéré la météorite qu'il avait piquée au professeur à Notekia, il me semble que c'était ça. On récupère un lava cookie parce que la grand-mère s'est installée ici une fois qu'il n'y avait plus personne en fait. Tout le monde est parti, elle s'est installée là tranquillement et elle vendra ses cookies toute sa vie. Notre Pokémon de zone sera un Spoing. J'étais très content parce que de nouveau un Pokémon de type psy, moi qui adore ça, j'étais très content. Surtout qu'un Spoing, ça pop pas forcément du premier coup. Normalement, vous avez plus des Machoke ou des Chamallow qui pop ici, surtout au niveau de cette montagne. Donc, du coup, j'étais content. Et au lieu de lui donner un prénom classe, j'ai décidé de l'appeler Cochonou. Pourquoi? Vous allez mieux vous dire, je n'en sais rien, moi non plus, c'est le premier nom, je sais pas, il me faisait penser à un cochon. Enfin bref, une fois attrapé Cochonou, un membre de la team Aqua essaye de creuser avec ses mains une grotte, mais bon, mais qui prend le one shot, tout simplement. Du coup, j'arrive ensuite à Vermilia et je n'ai pas juste montré les dresseurs parce que voilà, bon, ma team a pris cher malgré tout. Mais le truc, c'est que c'est des petits dresseurs avec des Chamallow, des Machoke, etc. Donc c'est pas forcément intéressant. Je remets Cochonou au PC parce que forcément, je ne veux toujours mon équipe de 5. Je récupère par la grand-mère au spa l'œuf de Ok-Ok et une fois entré dans l'arène, mais qui prend one shot à peu près tout. Par contre, je suis tombé sur un Kecléon qui m'a mis dans le mal avec Pompote parce qu'à la base c'était un combat double. Je me suis dit, bon, Pompote peut peut-être faire un petit rafale psy sur Kecléon, mais non, il avait lance-flamme et j'ai failli faire notre dieu Pompote. Donc, je préfère le mettre en dernière rotation et me battre contre la championne, mais elle a que des Pokémon assez faibles, donc juste des simples pistolets suffisent carrément à one shot. Jusqu'à qu'elle m'envoie son Camerupt. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai hésité en fait à garder Pékipan parce que j'avais peur en fait qu'il me fasse une attaque de type roche, un genre d'éboulement, tombe roche ou juste un jet de pierre. Et je vois qu'il me fait plutôt zénith et attraction. Donc à l'arrière, je me suis dit, il doit avoir charge et aussi la technique surchauffe, puisque c'est la technique de l'arène. Sauf qu'il m'a pas fait surchauffe du tout. Donc du coup, j'ai décidé en plus que j'étais sous le charme de l'attraction de tenter avec Blaze. Donc j'ai préparé ma gonflette, je voyais qu'il me faisait que charge, donc du coup j'ai attaqué avec double pied et c'est passé assez facilement en fait. Le fait que je sois plus 1 en attaque, c'est passé, et pareil pour le Chartor, il me fait attraction. Je préfère switcher, pas prendre de risque, je sais pas pourquoi, je m'attendais qu'il ait Ampleur, Séisme ou quelque chose. Donc du coup, j'envoie Cormorant, il nous fait pistolet à eau, il one shot derrière le Tarinor. Le Tarina, oui, il me semble que c'est ça, c'est pas grave. Enfin bref, une fois l'arène battue, je récupère les lunettes sable offertes par Brice directement, je soigne mes Pokémon et je pars en direction du désert parce que je cherchais la tour Mirage pour récupérer mes Pokémon de zone, mais il n'y avait personne. Du coup, je descends à la cinquième arène, je vous ai évité tout le trade, revenir à pied, etc. parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Je prends toutes les salles de droite, sauf que voilà, je tombe sur un Delcati onde de choc. Au début, j'avais un peu peur parce que je pensais qu'il pouvait me faire très mal, mais arrivé là, pas du tout. Donc, du coup, je laisse Pompot XP. Malgré tout, il me met dans le jaune. Et comme je ne peux pas soigner, je continue ma route. Je prends la salle plutôt récupération parce que je pensais tomber sur un Mélodelve ou je ne sais pas pourquoi sur un gros doudou. Je décide de mettre Blaze pour qu'il prenne peut-être un niveau avant d'affronter le champion. Sauf qu'arrivé là, c'était seulement des pareils cool et je suis très content de ne pas avoir fait une attaque de type combat parce que je ne sais pas si Blaze tuait, je pense que oui. Mais là, s'il me faisait riposte, je pense que je perdais Blaze dans tous les cas. Donc là, je tombe sur son Vigoroth. Je préfère placer un double pied plus une gonflette pour être sûr de one shot, pour éviter tout justement contre, justement. Une fois que c'est passé, j'arrive devant mon père. Je l'engueule de nous avoir abandonnés comme des merdes avec ma mère et moi. Et le combat se lance. Il envoie pour commencer son Spinda, et un simple double pied, à mon avis, fera le taf. Donc je préfère avant tout faire une gonflette pour profiter justement. Sauf que quand je vois qu'il commence à me faire mal, ouh, je préfère attaquer, arrêter de me setup tout de suite. Je préfère rester du coup avec mon Blaze. À la base, je voulais switch, mais je préfère replacer une gonflette. Il me fait tranche par un coup critique, je commence à avoir peur, mais un simple double pied passe, donc heureusement. Là, pareil, j'ai un peu hésité à savoir qu'est-ce que je faisais. Est-ce que j'envoyais pas plutôt Graiena pour. Enfin, Clochette pour plutôt intimider. Mais non, je suis plus rapide. Et comme je suis à plus 2 en gonflette, ça passe. Pareil pour le Monaflémy qui était la plus grosse menace. Un simple double pied avec plus 2 en gonflette et ça passe.
Ouf, je sais pas pourquoi, pourtant j'avais ce qu'il fallait pour le passer, mais pareil en fait, il y a certains dresseurs, c'est compliqué, j'ai du mal. J'ai du mal en fait, et en fait je dois avoir des souvenirs que de quand j'étais petit, de me faire bolos constamment par ces dresseurs. Enfin bref, une fois avoir battu la reine, Timmy ne me laisse pas une chance de remettre mon père dans mon cœur, et me prend et me donne Surf, que j'apprends immédiatement à Cormoran, parce que pistolet à eau, ça commençait à devenir très très léger. Et du coup, j'en profite aussi derrière pour aller bah, justement dans l'eau qui est ici, dans la petite mare qui est là. Je mets Papillon sans premier priorité de one shot si c'est un Pokémon de faible niveau. Et je tombe comme Pokémon de zone sur un Marill niveau 23. Bon, je l'avais déjà, mais bon. Je me suis dit que c'était pas si grave que ça. Au pire, ça me fera toujours un petit switch au cas où si. Si Bekipan, enfin si Cormoran malheureusement devrait mourir. Mais bon, du coup, je préfère le capturer, surtout qu'il commençait déjà à faire des roulades, des pompotes commençaient déjà à limiter dans le trône. Et je ne sais pas pourquoi, je l'appelle Rylis. Je ne sais pas pourquoi, me cherchez, me prenez pas la tête. Enfin bref, c'était un petit épisode, mais j'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Sur ce, prenez soin de vous, et encore désolé si les vidéos sortent pas vite, mais je travaille. Sur ce, prenez soin de vous. Peace!